Ah, j'avais pas vu l'effet des mouvements des petits escaliers, c'est rigolo. Alors, maintenant que je suis là, j'avais dit qu'il y avait un truc qui m'intriguait par là. Là, je peux pas y aller. Je peux pas y aller? Pourquoi? Pourquoi je peux pas y aller là? Pourquoi j'avais dit que je pouvais pas y aller? Si, je peux y aller. J'avais juste pas nettoyé le truc, c'est tout. Voilà, ça c'est fait. On va aller là. On va pas aller là. C'était où j'avais dit que c'était ? En bas ? Ouais, faut vraiment faire tout le tour. En fait. Bonjour la sauvegarde. Sauvegarde de nouveau. Je veux bien jeter un œil là-bas quand même. La map me paraît vraiment bizarre. Attendez, c'était où? En bas là. Tac, on descend. Là, il y avait un boss. Non, il n'y avait pas un boss, il y avait cette chose. Non. C'est pas ici dans ce cas. C'est pas là. Pourquoi ça c'est tout seul là en fait? Pour moi il y a quelque chose en dessous. Hein. Je sais pas pourquoi, je trouve la map mal faite. Bon c'est pas grave, à la base c'est pas là où je voulais aller. C'était... Il y a un carré là aussi. Hein. On va aller jeter un œil. C'est par là. On va aller jeter un œil. Monter là. Je vais faire un peu de tour.
là j'avais hyper galéré au début du jeu, je pense que j'ai de nouveau hyper galéré. Sinon c'est mort. Tout début du jeu. Wait. Wait. Mais non, c'est bon, c'est Chorizo. Il y a peut-être un truc au-dessus. Au-dessus, hein. Bon, à la base, c'était là où je voulais aller. Ouh, ça, c'est une zone de froid. Je voulais aller là. Bah, attendez. Voilà, je peux pas y aller, j'ai pas le droit. Du coup, c'est une zone de froid. Du coup, j'enlève mon marqueur vert. Et on va y mettre un marqueur bleu pour dire que j'ai pas le pouvoir. Donc tout ça c'est une zone de froid, très bien, c'est nouveau, j'y ai pas accès, c'est normal. Par contre, est-ce qu'on peut avancer quelque part? Ça je le prends. Pourquoi je l'ai pas pris ça déjà? D'accord, je l'avais pas pris, je sais pas pourquoi. C'est gratuit. On prend hein. Là il y a la porte Amy. Je voulais aller où maintenant? Ah oui, ouvert. On peut pas. Et je reviens là en fait, c'est pas du tout là où je veux aller. Oh là. Que je vais aller, moi. Comment je fais pour monter? Comment j'avais fait? Faut refaire tout le tour en fait. Je perds du temps, mais c'est pas grave. Ça me permet de. Autrement à Red, je n'arrive pas à comprendre.
Non, c'est juste le boss. Alors c'est plus bas. Parce que... Bon, je sais pas. Bon, si je dois reprendre un fil conducteur, il y a un passage là, tiens. Ah bah ça alors. Il y a deux passages que j'avais pas vu là. D'accord. Pas y accéder, il y a une porte aussi. Ok, donc il faut que j'aille. Peut-être par en haut là. Pas passer par là. Pourquoi il y a des zones qui clignotent? Je ne comprends pas ces zones qui clignotent. Oh punaise, j'allais. Voilà, ça c'est fait. Je l'avais pas vu de base.
Mais la porte est fermée de toute façon, c'est pas utile. Bon. Eh ben, je sais pas. Je ne sais pas. Ah, si je peux ouvrir ça. Ce sera toujours utile. Voilà, ça c'est une chose utile. En espérant que ça reste ouvert. Ça c'est une autre affaire. Oh punaise la porte. J'ai raté une porte. On peut pas faire demi-tour. Ça, je l'avais pas encore découvert. C'était le haut de ça. Pourquoi ça sert ça? Pourquoi c'est aussi grand ça? Quand même. Je disais aussi. Bon, ça c'est ouvert. Ah. On peut grimper par là. Tiens donc. Non, tu remontes ça. Allez, on y croit. Si je passe là, je tombe. D'accord. Bon, on va pas y aller du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux y aller là? Non, je peux pas y aller.
pas y aller. Mais il y a bien un truc là, d'accord. Et là, je vais supposer que ce pouvoir me permet d'ouvrir cette porte là. Et après, je vais tomber là. Ah oui, d'accord, on peut se reporter gratuitement. Ok, donc toute cette zone là, ça sera tombé par là. Mais là, je pense que ça, en vrai, c'est accessible. C'est juste moi qui sais pas le faire. Il y a un marqueur jaune, je vais le garder. Il y a encore un truc en bas. En bas par là. Ah mais je peux pas y aller en fait. D'accord. Là il y a un décor en bas. Ah mais c'est l'ascenseur de l'autre fois ça. Là, c'est un grand tunnel. Sur lequel je reviens ici. Très bien, ça c'est clean. Donc là, c'est bon, j'ai la carte. Là, c'est le froid, je ne peux pas y aller. Après, c'est une petite zone de froid en vrai. Je pense que tout le reste est une zone de froid aussi. C'est dommage. Peut-être pas tout le reste en vrai. Ça, c'est pas une zone de froid, ça. Ça pourrait se tenter, mais ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé. Là, c'est ouvert. Là, il faudra récupérer. Là, il y a une réserve. Je pense que je vais revenir ici. C'est le portail vert. Rouge, donc vers la zone 2, dont j'ai dû oublier le nom. Là, il y a un truc ici. Mais j'y ai pas accès à cause de ce truc rouge. Là, il y a de la lave. Ouais, Kataris, c'est la zone de Kataris, je cherchais le nom. Là, il y a un truc qui m'interpelle, c'est ce petit bout ici. Sinon, je pense que c'est à peu près bon. Il va falloir revenir sur Cred. On va pas avoir le choix. Mais pour ça, on va remonter. Il est où le TP? Là-haut. Donc, je vais là. Je remonte. Ok. Non, non.
Et je tombe parce que... Voilà. Là, c'est un peu plus réfléchi. Allez, ça on prend. Et on se déplace vers Kataris de nouveau. Attendez. Cred, il était pas à Kataris, qu'est-ce que je raconte? Il est en bas, Cred. Il est ici. Pourquoi je voulais... Attendez. Attendez, je suis perdu là. Non, Cred est à Kataris. Autant pour moi. Donc, oui, on va à Kataris. Ah, trop de métroïdes, En attendant, je suis toujours pas allé à Dairon. Et si on allait à Dairon en fait, au premier. En vrai. On fera Cred plus tard. Donc je suis ici, Cred il est en bas là, tiens. Je suis ici, et si je veux aller à Dairon, il faut que je traverse toute la map. Artaria, est-ce que c'était propre la map ici? Il me semble, hein, c'était propre, hein. Un petit bout là, mais c'est pas très grave. Là c'est de la lave. Là on pouvait pas y aller. On pouvait pas y aller là? Non, on pouvait pas y aller. On pouvait pas y accéder. Non, c'est tout propre, il me semble. Donc, pour aller ici, zone verte. Bon, ça jusque là, ça va. Mais moi, je dois remonter pas par là. Si j'ai un ascenseur, donc je peux remonter là. Une fois que je suis ici, je descends. Tac. Tac, ok, c'est bon. Ah, c'est vrai. J'aurais peut-être dû sauvegarder, je pense. Bien. Hop là.
petit B. Allez, go. Partons vers Dairon. Histoire de faire un peu la zone prévue aujourd'hui quand même. Mine de rien. J'ai beaucoup traîné là. Enfin, j'ai beaucoup traîné, mais il y a eu deux nouvelles armes, une armure. La découverte de Kred, un ennemi de fée, la découverte de Kred. Kred qui n'a pas été battu. Bon, alors, j'ai ouvert des choses. Ça, c'est fermé. C'est fermé ? Non, c'est les blocs que je sais pas casser. Là, il y aura un TP jaune. Pour le moment, je n'y ai pas accès. Là, très rapidement, il y a une sauvegarde. Ça, là-haut, c'est ouvert. Il y a une zone émise. Qui n'est pas qui est grisé, ça veut dire qu'il y a un ennemi qui se balade. Ça, je vais pas pouvoir y accéder. Je vais pouvoir me tomber. Ça, je pense que c'est ouvert. Là, il y a un TP violet sur lequel j'y ai pas accès. Mais en fait, je me suis baladé partout, presque partout où je pouvais, à part ici. En vrai. Et là, il y a l'unité centrale. Ça veut dire qu'il faut que j'aille ici pour abattre l'ennemi. Oh là là, le travail qu'il y a à faire là. Bien, maintenant que ce bout de carte est fait. Je dois aller où? Je peux passer en bas pour relier ici. Ça, je pense que je suis. Et non, et non. Bloc précipice. Ah, peut-être que si en fait. C'est-à-dire que si je me marche dessus, je peux tomber. Donc je peux rejoindre ici. Sauf que c'est pas ça que j'ai besoin. C'est pas du tout ça dont j'ai besoin.
Non, en fait, je n'ai pas d'autre choix que d'aller voir Cred. Parce que là, du peu que j'ai fait ici, soit c'est fermé et j'y ai pas du tout accès, soit j'ai contourné la carte comme, enfin, j'ai fait le contour de la carte au maximum que j'ai pu. Mais là, ouais, j'ai besoin d'aller voir Cred en fait. Là, je n'ai pas d'autre choix que d'aller voir Cred. Accès possible. Sauf si ça, ça se casse. Ce qui m'étonnerait. Bon, bah, demi-tour. Hein. On va re-sauvegarder pour bien me dire à la map de rester comme ça. Ça m'embête, hein. En vrai. J'aurais dû régénérer en entier. J'aurais dû régénérer en entier.
En full life. Oh punaise, il y a lui là-haut, il va m'embêter. Full life. Ok. Allez, go. Dernier coup, je... Ah! Donc, il y a bien un truc. Fallait que je me baisse. Donc, il y a bien un truc sur le nombril. Je pense qu'en phase 2, je vais me concentrer uniquement sur le nombril.
Bon, je l'ai mis deux fois sur le nombril. Qu'est-ce qui me manque pour l'achever, quoi? Qu'est-ce qu'il me manque pour l'achever? Sérieusement. Je vais m'aider un petit peu parce que là, je sais pas. Attendez, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'il me manque? Punaise. Alors, phase 1, tirer un maximum de missiles sur la tête de Kred. C'est fait. Pendant ce temps, il faudra esquiver et frapper de vos tirs, missiles, les griffes qu'il vous enverra. J'essaye de le faire. Une autre de ces attaques, bon, les boules toxiques, patati patata, ok. Ok, jusqu'à là ça va. Second tabou. Après avoir suffisamment de dégâts, il va dégager une de ses mains précédemment bloquée. Oui, jusque là ça va. Et faire tomber une plateforme. Face auquel trois trous sont. Trois trous? Pourquoi trois trous? J'en bloque deux. Pour lui infliger des dégâts, tirez sur le trou violet central. En vous positionnant le plus à gauche de la salle. Le plus à gauche. En gardant cet angle de tir, vous pouvez contenir une de ces attaques qui consiste en vous envoyer des trucs toxiques se rebondissant. Ok. Phase 3, il va se tenir le ventre quelques instants avant que 3 blocs ne sortent de son ventre. Ceux-ci s'écraseront contre le mur de haut en bas. Repliez-vous en boule pour éviter l'attaque. Une paroi magnétique va descendre pour accéder au troisième tableau. Vous verrez les blocs sortir légèrement du ventre de Kred. Préparez-vous à sauter chacun d'entre eux pour accéder à la paroi magnétique. Une fois accroché à celle-ci, vous arriverez au troisième tableau. Une fois qu'il a la main sur le ventre, je fasse gaffe à les espèces de griffes là. Un maximum de la... D'accord, phase 3, c'est viser la tête. C'est tout. Phase 3, la tête, et punaise, on peut revenir en phase 2 si on rate la phase 3. Ah! D'accord. D'accord, ça c'est nouveau, ça. Bon, en vrai, je suis pas si loin de le battre, c'est juste que... Ouais, je stresse un peu moins. J'ai bugué sur le ventre. Hop hop hop, on descend ici. Ok. On descend. Phase 3.
punaise, il m'a touché. PV. Non! Bon, je pense qu'il y avait une avancée intéressante. Je dois pas être bien loin de le battre en vrai. C'est la première fois que je passe face avec toute ma vie. Non, raté. Thank you.
je crois qu'il est battu. J'espère ne pas le revoir. Enfin, crête battu. Oh, un chozo! Trop bien. Par contre, il va falloir y accéder. Il y a un truc à péter là-haut, mais... pas accéder. Alors attendez, on m'attaque là. Ça fait pas de mal s'il vous plaît. Merci. Au passage. Bonjour le chorizo. Rayon à dispersion. Dispersion. Permet au tir du rayon de charge d'exploser à l'impact. Ah. Maintenez Y enfoncé pour charger, puis relâchez pour tirer. L'explosion traverse les parois. D'accord. C'est un upgrade en fait. Parfait. Ah. Je peux pas récupérer ça. Ce qui m'intéresse en bas. Donc là, c'était la salle de Cred. Très bien. Il y a des choses à... Il va falloir y revenir. Et là, il y a quand même des choses qui m'intéressent là. Mais je peux pas y accéder. Trouver une sauvegarde par contre à un moment donné, j'ai pas envie de refaire le boss. Là je peux pas y aller, je me trompe, pas y aller, je pensais pouvoir y accéder mais en fait non, j'irai plus tard. Ah, Samus remonte. Là je boule et je peux pas ressauter là. C'est pas grave. Du coup, je voulais une sauvegarde. J'en aurais pas. Direction des ronds. Ah ok. Oui. En fait, oui. Réserve de missiles que j'avais vu en haut était faisable. Ah bon?
Alors une sauvegarde s'il vous plaît, toute urgence. Ah punaise. Oh non, pas lui. Le truc c'est que je viens d'ici. Je vais être obligé de faire le tour. J'attends qu'il remonte sur le mur. Maintenant. Il y a une porte ici. C'est quoi qu'il y a? Vous voulez que j'attrape ça comment? Comment voulez-vous que j'attrape ça sérieusement? D'abord une sauvegarde, on ira tenter ça plus tard. Non, Samus remonte. Oh oui, enfin. Et du texte. Ah. Cette zone, Dairon, semble être un laboratoire de recherche biologique. Tu y as déjà réactivé un générateur. Il y a un autre secteur au-dessus de toi qui n'est toujours pas alimenté en courant. Trouve le prochain générateur et réactive-le. Tu retrouves progressivement tes compétences. Je n'ai toujours pas déterminé ce qui t'est arrivé sur le plan physique. Quoi qu'il en soit, ne baisse pas ta garde. Ton objectif principal est de survivre. Agis avec la plus grande prudence. Bon, on a notre objectif pour la suite. Alors, là, c'est le portail violet. Là-haut, on a l'Emi. Là, il faudra récupérer à un moment donné. J'ai presque envie de le tenter sans... Oh. Simplement. Samus, c'est pas le moment de faire la... Samus, non! On refait. Ok, on re-sauvegarde. Bon. Maintenant que c'est sauvegardé, je fais une pause. Et je reviens après, je sais pas quand, dans quelques minutes. Pause. Café, de l'eau, un petit goûter, etc., etc. Je reviens après pour la suite de Metroid. Alors du coup, je suis vraiment pas sûr de finir Metroid aujourd'hui, clairement. Restez dans les parages. Comment on fait pour revenir au menu? Histoire que vous ayez de la musique un peu qui fait peur, mais la musique quand même. Et que moi ça me compte pas du temps de jeu.
Allez, à dans quelques minutes.